Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, cette partie a été jouée par Sémiche contre Coq, très haut blanc. Ici, les blancs doivent dévier la dame noire de la défense des cases E7 et G7, où leur dame pourrait mater. Alors, ils jouèrent donc un coup introductif, D5, qui a pour but d'ouvrir la colonne à la tour F1 et de dévier en même temps la dame, soit la dame noire, par exemple, par dame prend D5, alors dame F6, dame D7 et tour D1, dame F7 et dame D8, échec. Mortel, évidemment. La prise de la tour, après c'est la tour qui prend, suivi du mat. Donc, D5. Donc, soit dévier la dame noire, comme on vient de le voir, soit le fou qui est alors atterri dans un clouage par attraction. Fou prend D5. Et donc, tour D1 qui cloue le fou. Alors, C3, tour prend D5, à nouveau déviation de la dame noire. Dame prend D5, il n'a plus grand choix. Dame E7. Avec une menace de mat, dame F7 et fou C4. Ce clouage dévie la dame noire de la case F7. Si évidemment la dame prend le fou, alors dame G7, échec et mat. Ou alors ça dévie la tour. Tour prend C4 et dame D8, échec et mat au prochain coup. Et donc, à ce stade, les noirs abandonnèrent. Nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.